Justine. Oui. Comment ça s'est passé ton combat aujourd'hui? Ça s'est bien passé. C'était une démo. C'était pas censé être une exhibition à la base, mais finalement, ça s'est avéré de ça. Donc, on a essayé des affaires. Vraiment, là, on s'est dit, garde, tant qu'à avoir fait 4 heures de route, on va essayer des choses que normalement, en vrai combat, on prendrait peut-être pas les risques d'essayer. C'est ça. Mais là, on avait l'opportunité. Fait que pourquoi pas, on va apprendre. Puis, je suis contente de moi. J'ai essayé des affaires. Puis, ça a bien été. Il y avait une différence de poids. Oui. Comment tu l'as géré, ça, toi? Est-ce que tu l'as senti dans le ring, cette différence-là? Pas la différence de poids, la différence de grandeur, oui. Oui. Mais je dirais que mes partners de sparring sont tout le temps plus élevés en poids que moi, donc je le ressens pas tant. C'est sûr que même dans la force de frappe, t'sais, oui, là, je vois qu'elle frappe comme une fille plus pesante que moi, donc il faut que je fasse plus attention. Mais ça m'a pas tant déstabilisé, là. Puis vu que j'étais plus grande aussi qu'elle, ben, j'ai pu comme la maintenir plus à distance et tout ça. J'ai pu utiliser d'autres atouts en sachant que vu qu'il y avait une différence de poids, ben, fallait que j'utilise plus ma distance. Parle-moi un peu de ton parcours boxe. Tu me disais, avant qu'on commence à enregistrer, ça fait pas si longtemps que ça que je suis dans le monde de la boxe. Non. Parle-moi un peu de ça. T'as commencé quand? Pourquoi? Ben, pourquoi t'aimes ça, ce sport-là, qui est si compliqué aux yeux de plusieurs, qui est si épeurant aussi? Ben, moi, j'ai commencé, mais dans le fond, mon premier combat, ça fait à peine 2 ans que je l'ai fait. Donc, ce soir, j'ai fait mon 14e combat, là. Donc, je suis quand même assez au début. Ça fait 2 ans et demi, à peu près, que je suis dans le gym de boxe. Puis je suis tombée vraiment par hasard, je voulais me trouver un nouveau sport. J'ai fait du ballet classique de haut niveau et de la danse contemporaine pendant 14 ans jusqu'à semi-professionnel. Donc quand j'ai arrêté, ben pour moi ça a été un grand choc. J'étais tellement habituée d'être, de m'entraîner des 15 heures semaine. T'avais besoin d'un autre défi, ben, là. Ben oui, puis là je suis tombée dans un gym de boxe par hasard. Après la pandémie, je me cherchais vraiment comme une nouvelle activité pour sortir de chez nous. Puis finalement, je suis tombée là-dedans. Au début, je voulais même pas faire de combat. Finalement, j'ai tout de suite accroché. Puis je pense que c'est vraiment le dépassement de soi. Là, j'aime les combats, mais j'aime autant toute la préparation derrière. Le processus. Ah, ouais. Hein? Le chemin, on dit toujours, le processus est aussi intéressant que la finalité. Oui, bien pour moi, en tout cas, c'est autant intéressant. Moi, je trippe à me lever à 5 heures du matin pour aller courir avant mon université. Là. On dirait que ça me rend, je sais pas, ça me, genre, me dépasser chaque jour, pour moi, on dirait qu'il me faut ça. Puis là, en plus, ça vient, mettons, je peux comme tester tout ça après ça sur un ring, puis tout ça. Fait que moi, je vais juste triper dans le fond. Puis oui, c'est le fun parce qu'en danse, j'avais juste une compétition par année, puis un spectacle par année. Fait que c'était long, là. On travaillait tout le temps pour un seul but. Oui, puis ça arrivait juste une fois par année. Tu sais, là, je peux. C'est comme si j'avais un spectacle. T'es on the road. T'es on the road all the time, comme ouais, on dit. Pour moi, je trippe. Ton parcours danse, là, il doit te servir parce qu'il y a beaucoup de boxeurs qui ont fait de la danse. Là, Matchenko, il a fait de la danse très ouais, jeune, la danse classique, la danse traditionnelle ukrainienne, puis il y a le plus beau jeu de pied du milieu de la boxe. Toi, est-ce que tu as l'impression que ce que tu as appris en danse peut te servir dans un ring? Ben, c'est sûr que oui, pour justement, comme tu viens de dire, les jeux de pied, honnêtement, ça aide beaucoup. Tout ce qui est coordination aussi, pour moi, c'était quand même facile à apprendre. Flexibilité, coordination. En même temps, bouger, oui, comme dissocier mon corps. Pour moi, je l'avais fait toute ma vie, donc pour moi, c'était assez facile. Ben, facile. Ça reste de la pratique. C'était plus simple, mettons, qu'un débutant qui n'a jamais fait de danse. Ben, là. J'ai comme une conscience de mon corps aussi. C'est ça. Qui est comme plus facile, donc oui. Comme définitivement, ça m'a permis d'évoluer plus vite. Mettons, dans ces 2 ans-là, je pense que j'ai évolué plus vite que si j'en avais pas fait avant. Est-ce qu'il y a un boxeur ou une boxeuse que tu admires particulièrement, que tu suis, ou plusieurs? Ben, je pense pas que j'en ai un comme un. Là. Je pense que c'est vraiment plusieurs pour chaque affaire. Tu as parlé de Lomachenko, là, les Ukrainiens, je trouve qu'ils ont vraiment un beau style. Je trouve que c'est beau. T'étais contente, toi, quand Usyk a gagné, oui, là, c'est pas moi aussi. Je trouve qu'il y a un beau déplacement, il y a un beau style. Je trouve ça artistique. Là, c'est peut-être mon côté ancienne danseuse qui parle, mais je trouve ça beau de regarder vraiment. Mm-hmm. Puis c'est sûr que les femmes au Québec, moi, je peux pas, Kim Clavel, Marie-Ève Ducard, tout ça, là, pour moi, ils ont vraiment. Là, je trouve ça le fun, c'est des piliers. T'sais, oui, on parle souvent d'Amanda Serrano à l'international, mais t'sais, au Québec, il se passe on a de très bonnes boxeuses au Québec. Ils sont pas assez connues.
Malheureusement, non, mais je trouve que ça nous... en tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup. Puis je pourrais pas en choisir une, là. Tu sais, Jessica Camara, je la connaissais un peu, mais dans les dernières semaines, elle est comme arrivée aussi dans mon top, là. On a toutes versé une petite larme pour Jessica quand elle a gagné en Corée. Ça nous a tout fait plaisir. On a comme toutes été fières, là, de venir de la même place qu'elle. Mais non, je dirais que c'est tout l'ensemble, là, mais un petit faible pour les boxeuses québécoises et les Ukrainiens. Merci beaucoup, je te souhaite un beau parcours boxe. Merci à toi.